tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que tu n'es pas à l'aise avec la négociation. Mais après, il y a un âge, plus ou moins lointain du coup, avant tes 7 ans, où tu étais le pro de la négociation. Regarde un enfant de 0 à 7 ans, il négocie tout. Tout, aller dans sa chambre, de aller dans sa chambre à manger, à se doucher ou se brosser les dents. On peut tous être des pros de la négociation. Dans cette vidéo, je suis avec mon ami Kevin, qui lui, un grand pro de la négociation, et ça pèse des centaines de milliers d'euros. Et dans cette vidéo, il va vous donner ses meilleures astuces pour pouvoir négocier. On va faire simple, efficace. Ça serait quoi pour toi l'astuce qui te vient comme ça en tête? La première astuce, c'est demander. Ça peut paraître tout bête, mais il faut oser demander. Tu le disais juste avant, en fait, c'est la puissance des enfants de lorsqu'ils veulent la sucette qui se trouve dans le bocal de bonbons. Eh bien, en fait, ils vont demander jusqu'à obtenir. Pas forcément de skills ou d'astuces préférées, c'est juste simplement qu'ils vont demander. Et au bout d'un moment, eh bien, forcément, avec la détermination, ça va passer. Donc, premier tips, c'est vraiment demander. Et on va le mettre en application. Abonne-toi à la chaîne dès maintenant. Donc, clique sur le bouton s'abonner parce que YouTube aime ça. Et si YouTube aime ça, c'est bon pour ma chaîne. C'est bon pour ma chaîne. Ça me permet d'être de plus en plus visible. Et surtout, je sais que si tu ne le fais pas maintenant, tu ne le feras jamais. Et comme je ne suis pas un gamin, je ne vais pas te le demander toutes les minutes. On clique, on s'abonne et on continue. Yes. Petite, pas une petite, une grosse astuce négociation. Ça va être de toujours demander les choses d'une traite. Si tu veux, tu peux arriver au banquier et avec plein de, en tout cas de choses à demander dans ton dossier bancaire, notamment le cautionnement plutôt qu'une hypothèque, demander un différé de remboursement, demander aussi d'avoir un crédit avec un report ou avoir un taux préférentiel. Eh bien, si tu espaces à chaque fois tes demandes, tu donnes l'opportunité à chaque fois au banquier de te bloquer. Commercialement parlant, c'est beaucoup plus difficile pour un banquier, en l'occurrence quand on se retrouve pour une négociation d'un crédit immobilier, de te dire non pour toute une liste plutôt que de te dire non pour une demande. Je m'explique. Si tu as un cautionnement à demander plutôt qu'une hypothèque et que tu veux un taux à 2%, tu veux également un différé de remboursement de 3 ans et tu veux un crédit sur 25 ans, eh bien, commercialement parlant, ce sera beaucoup plus difficile pour le banquier puisque tu vas demander tout ça et le banquier ne peut pas te dire non, 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 non. Il va faire ce qu'on appelle, il va faire une concession sur certains points. Et le but après du négociateur, c'est que la concession tombe justement sur l'élément qui est le plus important pour toi. Donc, si c'est le taux qui est le plus important pour toi, eh bien, fais en sorte pour que la concession que le banquier va te faire sur toute la liste, eh bien, ce soit celle et qu'il t'accepte en tout cas le taux préférentiel. Alors que dans un sens inverse, si dans la conversation, tu espaces tes demandes, tu commences la discussion avec le banquier en lui demandant un taux préférentiel, tu enchaînes, etc., tu parles avec le banquier et à ce moment-là, tu vas lui demander aussi un cautionnement et puis à la fin du rendez-vous, tu vas lui demander un différé sur 3 ans, et bien en fait, c'est beaucoup plus facile pour le banquier de te dire non au début de l'entretien, non au milieu et non à la fin parce que tu as laissé un laps de temps trop conséquent, en tout cas entre chaque demande. Donc, il faut toujours rassembler toutes les demandes et les envoyer d'une seule traite. C'est en négociation, c'est un outil super important pour obtenir en tout cas un maximum de choses. Le premier élément qu'il a donné, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. J'ai accompagné des personnes et je leur ai juste donné ça. J'aurais dit, bah, juste demande, parce que si tu demandes, au pire, on te dit non, quoi. La valeur globale du portefeuille en revenu locatif a augmenté de 20%. Parce qu'ils avaient peur de demander, parce qu'on aurait pu leur dire non. Alors qu'au final, bah, un non, c'est pas très très grave. Hein. La vie va pas s'arrêter. Juste ça, les amis, appliquez-le même au travail, hein, une augmentation de salaire. Bah, demandez-la, quoi. Avant de continuer, je te propose de récupérer la version numérique de mon dernier livre. C'est un livre qui est édité aux éditions Maximal. Tu verras, c'est 15 € à la Fnac ou sur Amazon. C'est pas un petit e-book comme ça. C'est cadeau. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Vas-y vite, puisque je vais le retirer. Voilà, je le laisse quelques temps et ensuite, on va devoir le retirer. Une autre astuce, ça va être ce qu'on appelle le principe d'engagement. C'est très puissant d'engager les gens parce qu'en fait, ils ne peuvent plus faire machine arrière. Les gens qui font machine arrière ou qui revoient leurs paroles, on appelle ça des girouettes. C'est très mal vu socialement parlant. Et donc, on a un outil, nous, en tant qu'être humain, c'est-à-dire on va jouer sur le principe d'engagement. On va essayer d'engager, en l'occurrence, on va repartir chez le banquier. On va engager le banquier pour qu'il puisse être favorable à notre demande. Comment on fait ça? Eh bien, tout simplement, ça se passe en amont. Ce n'est pas le jour de la demande. On va déjà préparer le terrain. Et je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà vu des pubs pour les jouets lors de la période de Noël? Tout le monde a déjà vu, on allume la télé, on voit que des pubs pour les jouets. Mais les industriels sont très forts là-dessus puisqu'ils vont passer des pubs à la télé pour que les enfants voient les pubs. Ce qui va se passer, c'est que l'enfant forcément va demander pour Noël le jouet
aux parents, à dire voilà, maman, papa, moi je voudrais ça pour Noël. Et à ce moment-là, les industriels, ils vont pas mettre les articles qui passent le plus à la télé, puisque eux savent mesurer en tout cas les pubs qui marchent le mieux. Donc les pubs qui marchent le mieux et les jouets qui donnent le plus envie aux enfants, ils vont pas les mettre en stock. Ça peut paraître bizarre, mais ils vont jouer sur le principe d'engagement. Lorsque l'enfant voit la publicité à la télé, il va dire papa, maman, je veux ce jouet pour Noël. Et les parents, forcément, vont dire oui. Et à partir de ce moment-là, ils se sont engagés et ils ne peuvent plus faire machine arrière. Et ce qui va se passer, c'est une technique des industriels pour multiplier leur chiffre d'affaires, c'est que eh bien, lorsque, juste avant la période de Noël, les parents vont partir faire la course au jouet, ils ne vont pas trouver le jouet. Mais ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils ne vont pas revenir les mains vides, ils vont racheter un jouet. Et les industriels, là où ils sont puissants, c'est qu'ils vont jouer sur ce principe d'engagement. C'est-à-dire que la période juste après Noël, le jouet qui a été le plus demandé par les enfants va être mis en rayon et mis en avant devant les parents. Et lorsque les parents, ben, après Noël, vont aller refaire les courses, et s'ils font les courses avec leur enfant, dans le rayon, l'enfant va dire « Papa, maman, tu m'avais promis de m'acheter ce jouet-là. » Et donc, qu'est-ce qui va passer? Les parents vont acheter le jouet. Donc, au lieu d'acheter un jouet pour Noël, ils vont se retrouver sans le vouloir à la base, en achetant deux jouets, en dépensant deux fois plus d'argent, et c'est deux fois plus de rentrée pour les industriels. Donc ça, ça explore bien en fait toute la puissance de l'engagement. Et nous, avec l'investissement immobilier, on va, en tout cas avec les demandes de crédit, on va pouvoir le faire puisqu'on va aller à la banque en amont et on va tout simplement poser la question au banquier. Voilà, monsieur le banquier, moi, je voudrais savoir comment votre banque se positionne par rapport aux investisseurs immobiliers. Est-ce qu'elle est bien positionnée? Est-ce qu'elle a des bons taux de crédit actuellement pour financer les investisseurs immobiliers? Parce que moi, j'ai bientôt un projet qui va arriver et je voudrais tout d'abord me renseigner si vous êtes une banque qui est bien placée pour accompagner les investisseurs immobiliers. Ce qui va se passer, c'est que là, le banquier, il va se vendre. Il sait qu'il ne va pas tout de suite vous donner un crédit. Donc, son discours va être eh bien, de mettre en avant son agence. Forcément, c'est un commercial. Donc, il va dire, bien évidemment, nous, au sein de la LCL, Crédit Agricole, ce que vous voulez, on est très bien placé sur les investissements immobiliers, notamment en ce moment, on a des très bons taux, etc. Et là, vous allez encore plus l'engager. Et vous avez un exemple d'un investisseur que vous avez accompagné ce temps-ci. Oui, on a des exemples, on a des personnes que l'on accompagne en ce moment sur des projets dans telle ville, etc. Et là, en fait, à ce moment-là, le banquier vient de s'engager, vient de dire clairement devant vous qu'ils accompagnent des investisseurs immobiliers et qu'ils savent le faire et qu'ils sont bien positionnés pour ça. Et lorsque vous allez retourner avec votre dossier bancaire dans les mains, qui est ficelé cette fois-ci, avec votre demande officielle, eh bien là, vous allez jouer ce qu'on appelle le principe d'engagement. Monsieur le banquier, vous vous rappelez la dernière fois qu'on s'est vu, vous m'avez dit que vous étiez bien placé pour les crédits immobiliers. Bah, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, en fait, j'ai un projet à vous proposer. Et comme l'enfant qui a demandé le cadeau ne pourra pas, en tout cas, vous refuser parce qu'il a, en tout cas, est tombé dans le piège de ce qu'on appelle le principe d'engagement. Excellent. Là, on a fait un bon petit tour pour cette vidéo, même un bon tour. Soit vous prenez une des astuces de Kevin, soit le mieux, c'est d'essayer de les cumuler. Si vous passez à l'action, on parle de dizaines de milliers d'euros directs. Merci beaucoup, Kevin. Yes, avec grand plaisir. Les amis, on peut retrouver Kevin. Je vous mets, il a une chaîne YouTube. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo sur sa chaîne. Allez vous abonner, allez suivre ce qu'il fait. Et si vous n'êtes toujours pas fait, les amis, et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne alors que je vous ai engagé au début, ça veut dire que ça ne marche pas, quoi, les trucs de négo. Et donc, abonnez-vous à la chaîne parce que vous m'avez promis au début de vous abonner. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.